Bon, écoute, c'est déjà assez ridicule comme ça, et en plus, t'es en train de prendre tout le feu pour toi-même. Cela soit que tu ne te soucies pas d'un homme qui, depuis la naissance, est susceptible au froid, contrairement à toi. J'envie mes amis partis au Moyen-Orient sous le soleil de l'Oasis avec ses palmiers. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Eh, je te signale que nous aussi on crève de froid. Alors, s'il te plaît, tu bouges tes petites fesses de là. Eh, Flo, Charlie? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Le commandant vous cherche, il a une mission pour vous. Ah bah, super, on va bien rigoler. Merci le mec d'être venu. Bon, voilà le topo. Il y a environ 2 heures, une patrouille a repéré que des nazis se dirigeaient par ici. Il sera apparemment juste une petite poignée de 5. Faudra les prendre par surprise. Et à quel endroit on les a repérés exactement? De l'autre côté de la base. Vous savez, c'est là qu'on a fait une patinoire le jour de Noël. Ouais, je vois très bien. Quoi? Dehors? Mais il doit faire -20! Bah, s'il n'y a pas de guerre, Charlie, on serait tous chez nous au chaud. Alors t'arrêtes de te plaindre et on y va. Combien de temps est-ce qu'on va devoir rester ici? Jusqu'à ce qu'on abatte la patrouille nazie, je suppose. Oui, mais ça veut dire combien de temps? 5 minutes? 3 heures? Bon, écoute, j'en sais rien, moi. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai super froid et... Voilà, écoute-moi bien! J'en ai ras le cul, d'entendre chaque jour, t'as peine que t'as froid! Mais t'énerve pas! Je m'énerve! Hartung? Et voilà! Hey, ça te dirait pas de venir m'aider? Je suis complètement frigorifié, si on nous avait muté dans un pays chaud, ça serait pas arrivé. Non mais quel crétin! Bon voilà, c'est fait, tu peux retourner près de ton poêle maintenant. Ouais, si seulement je pouvais bronzer en dessous de la palmier juste à côté d'un oasis. Pendant ce temps, dans un autre pays? Bon écoute, c'est déjà assez ridicule comme ça, en plus t'es en train de bronzer comme un con au soleil. Cela se voit que tu ne te soucies pas d'un homme qui depuis la naissance est susceptible à la chaleur. J'ai envie nos alliés de la Wilson avec leurs montagnes de neige et leurs nids qui coulent. Bah, ce qu'il faut pas entendre.